Comment éloigner les pensées négatives? N'identifiez aucune pensée comme étant négative, parce que c'est juste une pensée. Qui vous a dit qu'elle est négative? C'est juste une pensée. Vous la fabriquez, peut-être qu'elle vous plaît. Où est le problème? Si vous comprenez que ce n'est qu'une pensée, elle n'a aucun pouvoir. Si vous pensez que c'est une réalité, alors elle vous détruit. C'est juste une pensée, n'est-ce pas? Est-il vrai que vous avez fabriqué la pensée? Non? Ah, vous avez des doutes à ce sujet, parce que vous ne pensez pas, vous avez une diarrhée mentale. Oui, ça a lieu tout seul. Penser veut dire, le mot penser veut dire que vous exercez votre processus de pensée consciemment, n'est-ce pas? Oui. Penser veut dire que vous faites quelque chose consciemment. En ce moment, ceci est dans un état de diarrhée mentale. Ça n'arrête pas de couler tout le temps. Maintenant, qu'est-ce que ça a de négatif? Qu'est-ce que ça a de positif? Ce qui est négatif, c'est que ça a lieu inconsciemment. Voilà ce qui est négatif, pas le contenu. Vous pensez à un diable, ça c'est négatif. Vous pensez à un dieu, ça c'est positif. Il n'y a rien de tel. La chose la plus négative qui ait lieu en ce moment, c'est que ça a lieu inconsciemment. C'est ça qui est négatif. Et tout un tas de gens se sont détruits à essayer d'arrêter ces pensées qu'ils pensent être négatives. Et ils essaient de les combattre de tellement de façons. Vous créez ces choses et ensuite vous les combattez. C'est votre pensée. Vous devez être capable de la déployer et de la renrouler quand vous voulez, n'est-ce pas? Vous devez être capable de la dérouler et de la renrouler quand vous voulez. Mais en ce moment, vos propres fantômes sont devenus si grands que vous voulez les combattre. Si vous gagnez, vous êtes vraiment perdu. Parce que quelque chose qui n'est pas vrai, si vous le combattez et gagnez, vous avez vraiment perdu la tête, n'est-ce pas? Donc, il n'y a pas de pensée négative et pensée positive. Soit c'est une pensée consciente, soit c'est une diarrhée. Alors, comment arrêter ça? Voyez, supposez que vous ayez la diarrhée, une diarrhée physique. La première chose à faire, c'est... Tout autre traitement vient ensuite. La première chose à faire, c'est d'arrêter de manger de la mauvaise nourriture, n'est-ce pas? Quelque chose a causé cette diarrhée. La première chose est d'arrêter de manger de la mauvaise nourriture. Ce qui a causé cela, arrêtez-le. C'est la première chose que vous devez faire. En ce moment, la mauvaise nourriture est juste ceci. Vous vous êtes identifié à quelque chose que vous n'êtes pas. Maintenant, vous ne pouvez pas arrêter votre processus de pensée. Faites ce que vous voulez. Faites tous les mantras que vous voulez. Pensez à tous les dieux que vous voulez. Faites tout ce que vous voulez. Dès l'instant où vous vous identifiez à quelque chose que vous n'êtes pas, vous ne pouvez pas arrêter votre mental.